Il n'y a pas de slime ou de monstre géant en ville et personne ne sème la terreur à Hot Wheels City. D'accord, j'admets que ce n'est pas tout à fait une info flash. Oh, et les deux héros de la ville, Chase et Elliot, ont trouvé un nouveau boulot. Ils sont devenus livreurs pour Burger Dash. Ce qui, encore une fois, n'est pas exactement une info flash. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a toujours pas de slime ni de monstre. Un burger pour toi et un burger pour toi. Un burger pour toi et un burger pour toi. 370, c'est un record, vieux. Ha! 369, tu vas pas le garder longtemps, ce record. Fais attention, il vaut mieux pas défier le roi. Il comptait pas, celui-là. Je mangerais bien un burger. Avec une triple dose de cornichons. Vas-y, je te les laisse. Je préfère une double dose de fromage. Oh oh. Flash info exclusif. Oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure sur le slime et les monstres. Il y en a plein la ville. Vous feriez mieux de vous mettre à l'abri, les jeunes. On a une alerte popo de niveau 2 en ville. Je crois que je sais ce qui est arrivé à ce pigeon, shérif. Cornichon. Non, je peux vous assurer que c'est pire qu'une simple allergie alimentaire. J'ai trouvé des barils pleins de slime à Burger Dash. C'est sûrement des restes de la fois où Draven a slimifié toute la ville. Et nous, on a livré plein de burgers slimifiants sans nous en rendre compte. Ce pigeon a dû en avaler un. Attendez une petite seconde. Burger Dash livre en domicile? Oh, ça c'est bon à savoir. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un très très gros oiseau à maîtriser. Il faut qu'on récupère tous ces burgers au plus vite avant que quelqu'un ne les mange. Cornichon. Les policiers sont canardés. On a besoin de renforts et je sais exactement à qui m'adresser. Cornichon! Wow! Comment avez-vous fait ça, Queen? Bifurcation du continuum espace-temps. Ah, ok. Ouais. J'avais compris, mais je demandais pour Elliot. Cornichon! Qu'est-ce qui vous arrive? Ça. On aurait bien besoin des conseils d'une astro-ingénieure pragmatique dotée d'un cerveau fantastique. Déjà, il faut qu'on capture ce volatile. Et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Comment vous avez appelé ce gros rayon bidule de l'espace, déjà? C'est un rétrécisseur de mutants aviaires interdimensionnels. Quoi? Vous pouvez me rappeler ce que ça veut dire? Un rapisseur à pigeon. C'est tout de suite plus accrocheur. Enfin, je trouve. Il va falloir que vous attiriez le pigeon dans un endroit dégagé pour que je puisse le viser. On s'en occupe. Hé, hey, la cervelle de moineau! Tu dois avoir faim! Tu veux encore un peu de slime? Éloignez-le de tous ces bâtiments! Je sais exactement où je vais l'emmener! Un endroit absolument irrésistible pour un pigeon! T'as vu ça, le rat volant? Une belle statue toute propre! Tu sais ce qu'il te reste à faire! Il est beaucoup plus mignon quand il fait cette taille. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire pour tout ce slime? Cornichon! Et pour Elliot? Il n'y a qu'une seule personne qui puisse nous aider. Quelqu'un qui connaît le slime mieux que quiconque. Quoi? Oh non! Attendez, vous n'êtes pas sérieuse? Attention! Flash info! Chase et Elliot ont répandu par accident des cornichons toxiques assaisonnés au slime dans toute la ville en livrant des burgers. Presque tous les habitants sont des zombies! Et ça, ce n'est pas le genre de choses qu'on entend aux infos tous les jours.
sauf quand on vient à Hot Wheels City, bien sûr. Hey Queen, vous savez ce qu'il y a de plus marrant qu'une bande de zombies qui conduisent n'importe comment? Non, quoi? Littéralement n'importe quoi. Cornichon! Bon, c'est quoi notre plan déjà? Draven a fabriqué le slime. Il va nous aider à nous en débarrasser. En général, aider les autres, c'est pas trop son truc. C'est plutôt le genre génie du mal un peu fou, vous voyez? Et puis, je croyais qu'il était dans une prison anti-gravité. Ne vous en faites pas, j'ai un plan. J'écoute, c'est quoi votre super plan high-tech pour aider Draven à s'évader de prison? J'imagine que c'est encore une histoire de physique quantique ou je sais pas quoi. Quelque chose dans vous là, oui. Restez derrière moi. Cornichon! Draven, montez! Salut! Quoi de neuf? On est là pour vous faire évader à condition que vous arrêtiez le slime. Queen, la brigade zombie arrive. Accrochez-vous, je vais provoquer un trou noir avec ma voiture. Ah, tu vois, je t'avais dit qu'elle aurait un plan super high-tech. Cornichon! Une seconde, vous avez vraiment dit trou noir? Je suis plus trop sûr d'aimer ce plan! Non, Cornichon! Accrochez-vous, ça va se courir! Voilà, Draven, on vous a libéré. Maintenant, fabriquez-nous un antidote pour le slime. Ouh, hein? Salut! Quoi de neuf? Il est resté trop longtemps dans sa cellule antigravité. Ça a dû affecter ses capacités cognitives. Oui, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il vienne de traverser un trou noir. Cornichon! La seule chose qui pourra annuler les effets de la prison antigravité sur son cerveau, c'est un tour de looping infernal. Il faut déjà qu'on arrive à semer tous ces zombies. Je me demande comment ils ont fait pour avoir leur permis. Je vais les attirer loin d'ici. Foncez au looping! Quoi de neuf? Il faudrait peut-être que je réaligne mes roues. Et voilà! Espérons que ça masque un peu l'odeur de zombie dans votre voiture. Ça y est, je crois que Draven a eu sa dose de looping. Vous pouvez me dire votre nom? Queen Cosmic? Il ressent encore les effets du manque de gravité sur son cerveau. Votre nom, c'est Draven! Vous êtes un génie du mal. Vous vous rappelez s'il existe quelque chose qui puisse inverser les effets du slime? Essayez de vous souvenir. Allez! Non, ça ne me dit rien du tout. Cornichon! Non, mon pote, c'est pas des cornichons, ça. Ce sont des barils de solution anti-slime zombie cachés sous une bâche. Du sérum anti-zombie? Draven a dû en mettre de côté pour lui. C'est un sacré hasard qu'on soit tombé dessus. Mais pourquoi il les a cachés ici? On s'en fiche. Ce qui compte, c'est de répandre cet antidote. La ville est plus sympa sans slime. Content de te revoir, mon pote. J'ai super faim. On va se chercher des burgers avec une triple dose de cornichons. Tu voudrais pas plutôt une pizza? Flash Info. Draven, le génie du mal attitré de Hot Wheels City, organise une boom pour son anniversaire et il a invité ses amis, les gigantesques monstres toxiques. Je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner. C'est quoi cette histoire? Draven a organisé une réunion avec ses potes, les gigantesques monstres toxiques? Ouais, c'est son anniversaire et il a dit qu'il n'avait pas d'autres amis. De toute façon, ils ne sont plus toxiques. Toute la ville a reçu l'antidote, tu te rappelles? Ouais, mais ça n'empêche, je la sens pas du tout, cette boum. J'aurais dû préciser qu'il y aurait un château gonflable. J'aurais, vous avez dit un château gonflable? Trop cool!
Quant à vous, mes chers petits compagnons, ne soyez pas inquiets car très bientôt vous serez de nouveau monstrueusement toxiques. Qui est-ce qui sera bientôt monstrueusement toxique, Draven? Encore vous? Oh, ce n'est rien, pas de quoi s'inquiéter. Vous faites un sourire de génie du mal et vous vous frottez les mains quand même. C'est parce que j'ai hâte d'être à ma boum, c'est tout. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille au cimetière avant ce soir. J'ai encore beaucoup de slime toxique à déterrer. Quoi? C'est quoi cette histoire? Oh, c'est juste une façon de parler. À plus dans le bus. Je suis pas entièrement sûr qu'on puisse lui faire confiance à ce type. Tu crois qu'il ment? Et qu'en fait, il y aura pas de château gonflable? Soyez les bienvenus à ma grande boum d'anniversaire. Venez vous mesurer au défi fun de Draven. Montrez-nous votre meilleure figure en vous assurant d'atterrir dans le château gonflable et vous remporterez peut-être une surprise qui ne sera pas du tout maléfique. Je le jure sur mon petit doigt. Ça a l'air sympa. Ouais, mais je trouve que ça casse un peu l'ambiance d'être observé par des gigantesques monstres. Sophia Speed! La pilote la plus rapide de Hot Wheels City. La deuxième plus rapide, tu veux dire? Après moi. Allez, viens, Elliot. On va la gagner, cette surprise. Gagné? Elle est où la surprise? Surprise! Vous n'êtes que des idiots! Enfin, ça, ce n'est pas tout à fait une surprise! Au fond de moi, j'espérais que ce serait une glace! Puisqu'aucun des invités ne semble vouloir manger de la glace, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez pouvoir tout garder pour vous! Profitez-en, c'est mon parfum préféré! Slime toxique! Vous allez vous régaler! Sophia Speed! Est-ce que tu penses ce que je pense, Elliot? Moi, je me demandais comment les vampires faisaient pour être aussi bien coiffés alors qu'ils ne voient pas leur reflet. Non, mais maintenant que tu le dis, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut qu'on aille l'aider. Ces sales monstres sont rapides. Même Sophia Speed n'arrive pas à les semer. Et c'est la pilote la plus rapide de tout Hot Wheels City. Ouais, c'est discutable. Des tas de gens disent que c'est moi le plus rapide. Qui est-ce qui dit ça? Des tas de gens très intelligents. C'est pas le moment de discuter de ça de toute façon. J'ai une idée pour arrêter ces monstres. Suis-moi, on va se chercher une glace. Vous ne nous attraperez jamais, bande de gros monstres toxiques tout dégoûtants. T'étais pas obligé de les énerver encore plus? La glace leur a gelé le cerveau. Je suis un génie. Oula, ils ont mangé trop de sucre. Les monstres toxiques sont aussi ramollis que de la glace en plein soleil. Merci les garçons, je vous revaudrai ça. Y'a pas de quoi! Sophia Speed, la pilote la plus rapide de tout Hot Wheels City. La deuxième! Je vois pas ce qu'il y a de si dur à retenir. Non, mais de quoi je me mêle? Vous avez peut-être arrêté mes monstres, mais moi, rien ne pourra m'arrêter! Non! Bon, d'accord. Un gigantesque serpent toxique avec le cerveau gelé par trop de crème glacée, ça peut m'arrêter. Mais pas pour longtemps! Ils sont bêtes, ces monstres toxiques! Hey Elliot, devine ce que je fais. Je nettoie mon rétro pour mieux te voir dedans quand tu seras loin derrière moi et que je gagnerai la plus grande course de l'année ainsi qu'une clé de la ville. Ouais, ben devine ce que je fais, Chase. Moi aussi, je nettoie mon rétro parce qu'il est... sale et qu'on voit pas bien. Sophia Speed, la pilote la plus rapide d'Hot Wheels City. Combien de fois il va falloir que je le répète? C'est moi le plus rapide! Mais elle te bat à chaque fois? Ça veut pas dire que c'est la plus rapide? Bah si, un peu quand même.
personne ne pourra battre mon superchargeur slimifiant. La clé de Twills City sera très bientôt entre mes mains. Et ensuite, vous tremblerez tous devant ma puissance. Pilote, faites chauffer vos moteurs. C'est Draven? C'est quoi ces jambes fluorescentes? Je m'en fais pas pour lui. C'est le pilote le plus lent d'Hot Wheels City. Wow! Il est pas si lent que ça! C'est sûrement les jantes. Je vous préviens, je crois que j'ai quelques admirateurs cachés sur le parcours aujourd'hui. Vous allez voir, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce circuit ne manque pas de mordant. C'est un petit jeu de mots de génie du mal. Waouh! Joli 360! Comment t'appelles cette figure, Elliot? Plantage de pare-choc. Vous devriez arrêter vos singeries si vous voulez avoir une chance de me rattraper. Oh, génial! Il manquait plus qu'un lézard géant. C'est un théropode. Info flash, flash info exclusif. La grande course est en train de se transformer en défi pour échapper aux monstres. C'est le slime, mon arme secrète. Grâce à lui, je vais gagner la clé de la ville. Oh, il semblerait que Draven ait prévu d'utiliser du slime pour gagner. Je l'ai dit tout haut. Tant pis, de toute façon, plus rien ne pourra m'arrêter. Bon, d'accord, une petite fille peut encore m'arrêter. Mais en dehors de ça, rien ne pourra plus m'arrêter. Il est en train de nous semer. J'ai la solution. On va lui offrir un bon gros burger. Hey, comment je sors de ce machin? Burger Dash a sorti une toute nouvelle recette. Génie du mal, sauce slime. Ça veut pas dire que c'est la plus rapide. Elle vient de battre tout le monde dans la plus grande course de l'année. Donc... Tu vas vraiment croire les faits au lieu de ma version de la course? Félicitations! Vous gagnez la clé de notre ville. La clé de la ville est à moi, bande de nullards! Est-ce qu'on le poursuit? Il va pouvoir ouvrir toutes les portes de la ville. On se doutait que Draven allait préparer un mauvais coup. La clé qu'il a volée n'ouvre rien du tout. La vraie clé est juste ici. Oh, cette clé débile n'ouvre rien du tout, en fait. Je voulais de la glace gratuite à vie, moi! Donne-moi ce cornet, petite! En général, je dirais, flûtez-en contrecarrer mes plans. Mais cette fois, je l'ai fait tout seul. Je me suis auto-contrecarré. Suivez-moi, les garçons. Je vous offre une glace. On fait la course jusqu'à la boutique? J'arriverai le premier, parce que je suis le plus rapide. Pas si on en croit les faits. Dis, Elliot, tu trouves pas qu'il y a un truc bizarre? Aucun de mes doigts n'est de la même longueur? Non, sur les voitures! Les couleurs ont disparu! Qu'est-ce qui se passe encore? C'est le plan le plus maléfique que j'ai jamais imaginé! Un rayon laser décolorant pour transformer tous les bolides de Twill City en vulgaires veaux monochromes dénués d'accélération! Les courses s'arrêteront, les cascades cesseront, et les voitures aux couleurs flashy...
et... ne seront plus flashy. Que dis-tu, serpent toxique? Non, rayon laser décolorant, ce n'est pas le nom définitif. J'ai des tas d'autres idées de noms encore plus maléfiques. On doit échapper à ce rayon barbant. Mais les gaz! Un tour de looping pour faire louper le rayon. Et un virage serré pour le faire rater. Pourquoi on n'avance plus, Elliot? Forward Force n'est plus la même sans sa peinture violette haute performance et ses paillettes dorées à vitesse augmentée. C'est comme si j'avais plus du tout la force de foncer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sans sa carrosserie noire comme la nuit et ses détails rouge feu, c'est comme si je me fichais d'aller vite avec Night Shifter. Salut les garçons, ça va la vie au ralenti? Non, on s'ennuie. Je vais devoir faire la course toute seule, puisqu'il n'y a que moi qui suis en mesure de me battre. Cool. On te retient pas. Oh, Twin Mill! Je croyais que tu voulais faire la course. Sans sa peinture rouge enragée et ses jantes en titane, Twin Mill est... mille fois moins rapide. Draven, je parie que c'est lui qui nous a volé nos couleurs. Si ça continue, il va devenir le pilote le plus rapide et le plus cool de la ville. Elle a compris. Tu vois, c'est ça, mon plan maléfique. Je t'avais bien dit que j'en avais un. Tout de suite, tu fais moins le malin, hein? Quelqu'un a vu Draven? Vous n'auriez pas vu un gros rayon laser? Alors c'est comme ça que se termine notre incroyable carrière de pilote. Dans le respect des limitations de vitesse. En première, il n'y a que ça de vrai. Ne te presse pas, petite. On a tout notre temps. Oh! Mauvaise nouvelle, les garçons. Impossible de trouver Draven. Je crois qu'on est condamné à rester des tortues. Qu'est-ce qu'elle montre du doigt? Le lave-auto? Mais oui! Les voitures sont toujours comme neuves après être passées là-dedans. Et leurs couleurs sont plus éclatantes. Du coup, tu crois que nos voitures redeviendront au top si on y va? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. On met les gaz! Il n'y a pas une seconde à perdre! Pas si vite! Ça va, les escargots! Vous avez devant vous le nouveau pilote le plus rapide d'Hotwheel City. Attention, le serpent va nous bloquer. Ou pas. Ce n'est pas le genre de situation où avant, on aurait trouvé une solution à la fois fun et qui déchire. Ce qui est sûr, c'est qu'avant, il me semble qu'on roulait... plus vite. Faites chauffer les pneus! Écrasez l'accélérateur! Faites patiner les roues arrière! On n'a pas assez de jus. Je ne vois qu'une seule solution. Faire le drift spécial d'Hotwheel City. Vieux, c'est une figure légendaire, ça! Et dangereuse aussi. Si tu te loupes, tu risques de rester bloqué et de drifter pour toujours. Dans ce cas, il vaut mieux pas que je me loupe. Maintenant, on va lui donner le tournis. J'appelle cette figure... le serpent est sonné. C'est super bien trouvé. Dommage pour vous, Draven. J'ai l'impression que vous êtes officiellement redevenu le pilote le plus lent et le moins cool de tout Hotwheel City. Voilà, je crois que tout est enfin rentré dans l'ordre. Retour à la normale. Enfin, presque normal. Ça, c'est tout sauf normal. Je te le fais pas dire. Longue journée à faire la course, rien de tel qu'un petit passage au méga garage, pas vrai, Elliot? Je te le fais pas dire, Chase. C'est comme partir en vacances avec ton meilleur ami, sauf que ton meilleur ami, ce serait ta voiture. C'est super poétique ce que tu dis. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, cet employé du parking. Normal, tu le reconnais pas? C'est Draven. Et non, pas du tout, moi, je m'appelle Graven.
Vous n'avez changé qu'une seule lettre. Hé, laisse Graven tranquille. Il veut juste faire son travail. Allez, mon pote, on lâche rien. Tu nous passes un ticket? Un ticket ne sera pas nécessaire puisque vous ne ressortirez jamais. Comment ça, on ne ressortira jamais? Oh non, ce n'est rien. C'était une blague. Il est cool, ce garage. Grave, on dirait une boîte de nuit pour voiture. On va se garer, se poser et examiner ces bolides. C'est quoi, ça? Sophia Speed! La pilote la plus rapide d'Hot Wheels City. Tu veux dire après moi? Les garçons, il est temps de régler ça une bonne fois pour toutes. Descendez faire la course avec moi et on verra qui est vraiment le plus rapide. Tu ferais mieux d'installer une nouvelle vitesse sur ton vieux taco, Speed. Parce que sous mon capot, c'est de la pure dynamite. Et sous mon capot, c'est... de la dynamite pure. Arrête de me piquer mes métaphores, Elliot. Bouge pas, on descend. Hé, je croyais qu'on était censé descendre. Moi aussi. C'est ici qu'on était garé tout à l'heure, et là, il y a même les deux voitures qu'on regardait. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, Chase. Allez, viens, Sophia nous attend. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait sur le toit? Pourtant, j'aurais juré qu'on roulait vers la sortie cette fois. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Soyez les bienvenus chez Draven. Je veux dire chez Graven. Dans son méga garage au Mirage. J'espère que vous le trouvez à votre goût, parce que vous allez rester coincé ici jusqu'à la fin des temps, pauvre idiot! Oh, vous n'étiez pas obligé de nous traiter d'idiots. Est-ce que j'ai dit idiot? Je voulais dire imbécile! Il est vraiment bizarre, ce garage. On se sépare. Va vers le haut, moi je vais vers le bas. T'as pas un peu l'impression qu'on tourne en rond? T'as pas un peu l'impression qu'on tourne en rond? Ouais, je te le fais pas dire. Je l'ai déjà dit deux fois. Comment on va se sortir de ce garage super galère? Pas de panique. On va faire ce qu'on fait toujours quand on est confronté à une situation apparemment impossible et qui demande une réflexion poussée doublée d'une exécution millimétrée. On appuie sur le champignon et on fonce sans regarder. Elliot, tu m'as ôté les mots de la bouche. Ça non plus, ça marche pas. Je voudrais retourner au moment où on est entré. Ah, je sais. Il y a qu'une seule façon de retourner en arrière dans une voiture. De quoi tu parles? De la marche arrière. Et voilà, on est de retour. Bien essayé, Graven. Mais on s'est échappé de votre méga garage Mirage. Ouais. Au fait, Graven, vous direz à Draven que Chase et Elliot lui disent « Bien essayé ». Oh, désolé, on a eu un léger contretemps. On était coincé dans un méga garage Mirage. De quoi est-ce que tu parles? Ça fait à peine une minute que je vous attends. Oh, c'est vrai. Cool, alors ça veut dire qu'on va pouvoir passer à notre course si t'es prête. Ouais, surtout si t'es prête à rouler à fond. Alors toi, tu es le pire génie du mal que j'ai jamais vu. Non, c'est toi. Ah non, moi je suis employé de parking. Non, tu es moi avec un badge différent. Est-ce que l'un de vous sait où je me suis garé? Info flash! Vous vouliez voir des monstres toxiques géants semer le chaos en ville? Vous allez être servi. Un énorme T-Rex toxique, ça vous dit? À moins que vous ne préfériez un gigantesque serpent toxique ou un gorille toxique beaucoup trop gros? Il y en a pour tous les goûts! Alors, shérif, qu'avez-vous prévu de faire pour reprendre le contrôle de notre ville? Moi? Vous êtes le shérif, après tout. Voyons, ce que j'ai prévu de faire, c'est... Chase et Elliot. Justement, j'avais prévu de les appeler à la rescousse. Bien sûr, oui. On est là, shérif, et on va attraper ces abominables monstres avant que vous n'ayez eu le temps de dire « Appuie sur le champignon !»
Appuie sur le champignon. Ok, dans ce cas, avant que vous n'ayez eu le temps de dire, braque à fond. Ou fais crisser les pneus. Vous pouvez essayer d'arrêter mes monstres autant que vous voudrez, mais cette fois, vous feriez mieux de ne pas vous fier aux apparences. N'est-ce pas, mon cher serpent toxique? Pourquoi n'irais-tu pas rendre une petite visite surprise à ces deux idiots? Et n'oublie pas de leur passer le bonjour maléfique de Draven. Bien sûr que je suis conscient du fait que tu ne sais pas parler. Tu n'as qu'à leur siffler dessus. Où sont passés les monstres? Ils sont là! Où ça? C'est quoi ce serpent qui disparaît comme par magie? Aucune idée, mais ça ne change rien. Tout ce qui importe, c'est que les monstres de Draven sont de retour et on va s'en débarrasser comme la dernière fois. Excellente idée. Je me disais bien que j'avais comme une impression de déjà-vu. Hé, le gros reptile gluant, on fait la course? Et maintenant, j'ai comme une impression de déjà-fait. Passons au gorille. On l'a affaibli. Encore un coup et ça devrait le faire. Gigantesque serpent toxique. C'est fait. Gigantesque gorille toxique. C'est fait. Donc il n'en reste plus qu'un. Attends, laisse-moi deviner. Gigantesque T-Rex toxique. Espérons que nos airbags fonctionnent. Vous voulez un coup de main ou de pare-choc? On a vaincu les gigantesques monstres toxiques une nouvelle fois. Ne vous réjouissez pas trop vite, les garçons. On dirait que Draven a utilisé une sorte de... Hé, hey, d'où est-ce qu'ils sortent, ces monstres? On les a eus? Ils n'ont pas encore compris? C'est ce que je disais. On dirait que Draven a utilisé une sorte de téléporteur slime pour déplacer ses monstres dans toute la ville. Quoi qu'il en soit, on a la situation sous contrôle. Ouais, c'est clair. Dis, Chase, qu'est-ce qu'on dit quand on veut dire le contraire de c'est clair? Allez, on a déjà éliminé ces monstres une fois, il suffit de refaire la même chose. Ça ne sert à rien. Quoi qu'on fasse, ils continueront à revenir en se téléportant. Moi aussi, je commence à avoir une impression de déjà-vu. Il faut trouver une solution. Je sais, il n'arrête pas de se téléporter. Donc, on n'a qu'à l'utiliser à notre avantage. Chase, Elliot, on va devoir manœuvrer ces monstres. Continuez à faire le tour de la ville. Il faut qu'on les attire pour qu'ils soient le plus près possible les uns des autres. Ça, c'est ce que j'appelle un bon gros tas de monstres. Et en parlant de trucs qui me donnent une impression de déjà-vu, Draven s'est encore enfui. Vous avez peut-être réussi à empiler mes monstres cette fois-ci, mais j'ai encore tout plein d'idées amusantes. Et par amusante, je veux dire machiavélique, parce que c'est de loin ce qui m'amuse le plus. Oh. Aïe. Oh, vous allez voir. Ce sera machiavélique, je vous assure. Oh, hey. Quelqu'un veut bien retirer ce gros tas de monstres. Je vais t'en donner des flash infos. Cette fois-ci, mes fidèles monstres vont semer la terreur dans Twill City. Et Draven a concocté un plan plus maléfique que jamais. Il compte utiliser un téléporteur slime. Quoi? Comment se fait-il que tout le monde soit déjà au courant pour mon plan maléfique? Il semblerait que celui-ci se soit filmé par accident alors qu'il se trouvait dans son repère. Nos équipes se sont procurées la vidéo. Oh, c'est vrai. Ça m'arrive tout le temps. Oups. Je commence vraiment à en avoir assez de ces monstres toxiques. Dis-toi que ça ne peut pas être pire que ça.
John, la situation a empiré. J'aurais mieux fait de me taire. Hé, hey, voilà Queen. Et j'ai un plan. Vous allez devoir attirer Draven hors de son repère. Ça me va, mais on va avoir besoin d'un coup de main de Sophia Speed. Tu veux dire? Ouais, bah, après tout, c'est la pilote la plus rapide d'Hot Wheels City. Tu m'épates? Je pensais pas que tu l'admettrais un jour. Tu crois qu'on est au bon endroit? Voyons, c'est très flippant. Et sinistre. On peut même dire que c'est carrément menaçant. Vous avez vu? Un énorme serpent toxique garde l'entrée. C'est forcément le repère de Draven. C'est pas fini, ce raffut! Oh, comment voulez-vous que j'arrive à élaborer des plans machiavéliques? Qu'est-ce que vous fichez sur ma pelouse maléfique? Hey! Ne touchez pas à la télécommande de mon téléporteur slime et rendez-la-moi! Vous devrez rattraper la pilote la plus rapide d'Hot Wheels City si vous voulez la récupérer! Info Flash! La plus grande course-poursuite de toute l'histoire de Hot Wheels City vient de commencer! Hein? Ce que ces imbéciles ignorent encore, c'est que ma télécommande a une télécommande et qu'ils se dirigent tout droit dans un piège. Il semblerait que nos héros se dirigent tout droit dans un piège. Quoi? Où a-t-elle obtenu cette information? Oh, je me suis encore filmé. Mince alors. Ça ne change rien. C'est trop tard. Hein? D'où est-ce qu'ils sortent, ces bâtiments? Les monstres sont de retour? Je croyais qu'on avait la télécommande. Et maintenant, mes monstres vont détruire vos voitures une bonne fois pour toutes. Et ensuite, je pourrai faire le tour de la ville au volant de la Fasta. Et ce sera officiellement la voiture la plus rapide et la plus cool de tout Hot Wheels City. Prenez une photo de moi en train de gagner. Je vais plutôt vous envoyer très très loin d'ici, Draven. Au Mégadrome. Oh, ce n'est pas juste! Vous m'avez piégé! Vous verrez, je reviendrai! Vous ne m'arrêterez jamais! Cette fois, je crois que la ville va être tranquille pendant un petit moment, les amis. Alors, Cheese? On raconte que tu as dit que j'étais la pilote la plus rapide de tout Hot Wheels City. Des fois, je parle un peu trop. Mais c'est vrai que t'as super bien conduit contre ces monstres toxiques. Toi aussi, tu sais. Tu es peut-être la plus rapide de nous deux pour le moment. Mais attends un peu que j'ai un nouveau bolide. C'est ça qui est bien à Hot Wheels City. Tout le monde a une chance d'être le plus rapide. Flash Info! Il n'y a pas de slime ou de monstres géants en ville et personne ne sème la terreur à Hot Wheels City. D'accord, j'admets que ce n'est pas tout à fait une info flash. Oh, et les deux héros de la ville, Chase et Elliot, ont trouvé un nouveau boulot. Ils sont devenus livreurs pour Burger Dash. Ce qui, encore une fois, n'est pas exactement une info flash. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a toujours pas de slime ni de monstres. Un burger pour toi et un burger pour toi. Un burger pour toi et un burger pour toi. 370, c'est un record, vieux. Ha! 369, tu vas pas le garder longtemps, ce record. Fais attention, il vaut mieux pas défier le roi. Il comptait pas, celui-là. Je mangerai bien un burger. Avec une triple dose de cornichons. Vas-y, je te les laisse. Je préfère une double dose de fromage.
Oh-oh. Flash info exclusif. Oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure sur le slime et les monstres. Il y en a plein la ville. Vous feriez mieux de vous mettre à l'abri, les jeunes. On a une alerte popo de niveau 2 en ville. Je crois que je sais ce qui est arrivé à ce pigeon, shérif. Cornichon. Non, je peux vous assurer que c'est pire qu'une simple allergie alimentaire. J'ai trouvé des barils pleins de slime à Burger Dash. C'est sûrement des restes de la fois où Draven a slimifié toute la ville. Et nous, on a livré plein de burgers slimifiants sans nous en rendre compte. Ce pigeon a dû en avaler un. Attendez une petite seconde. Burger Dash livre à domicile? Ça c'est bon à savoir. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un très très gros oiseau à maîtriser. Il faut qu'on récupère tous ces burgers au plus vite avant que quelqu'un ne les mange. Cornichon. Les policiers sont canardés. On a besoin de renforts et je sais exactement à qui m'adresser. Cornichon! Wow! Comment avez-vous fait ça, Queen? Bifurcation du continuum espace-temps. Ah, ok. Ouais. J'avais compris, mais je demandais pour Elliot. Cornichon! Qu'est-ce qui vous arrive? Ça. On aurait bien besoin des conseils d'une astro-ingénieure pragmatique dotée d'un cerveau fantastique. Déjà, il faut qu'on capture ce volatile. Et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Comment vous avez appelé ce gros rayon bidule de l'espace, déjà? C'est un rétrécisseur de mutants aviaires interdimensionnels. Quoi? Vous pouvez me rappeler ce que ça veut dire? Un rapisseur à pigeons. C'est tout de suite plus accrocheur. Enfin, je trouve. Il va falloir que vous attiriez le pigeon dans un endroit dégagé pour que je puisse le viser. On s'en occupe. Hé, hey, la cervelle de moineau! Tu dois avoir faim! Tu veux encore un peu de slime? Éloignez-le de tous ces bâtiments! Je sais exactement où je vais l'emmener! Un endroit absolument irrésistible pour un pigeon! T'as vu ça, le rat volant? Une belle statue toute propre! Tu sais ce qu'il te reste à faire! Beaucoup plus mignon quand il fait cette taille. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire pour tout ce slime? Cornichon! Et pour Elliot? Il n'y a qu'une seule personne qui puisse nous aider. Quelqu'un qui connaît le slime mieux que quiconque. Quoi? Oh non! Attendez, vous n'êtes pas sérieuse? Attention! Flash info! Chase et Elliot ont répandu par accident des cornichons toxiques assaisonnés au slime dans toute la ville en livrant des burgers. Presque tous les habitants sont des zombies! Et ça, ce n'est pas le genre de choses qu'on entend aux infos tous les jours. Sauf quand on vient au Twin City, bien sûr. Hé, hey Queen, vous savez ce qu'il y a de plus marrant qu'une bande de zombies qui conduisent n'importe comment? Non, quoi? Littéralement n'importe quoi! Cornichons! Bon... C'est quoi notre plan, déjà? Draven a fabriqué le slime. Il va nous aider à nous en débarrasser. En général, aider les autres, c'est pas trop son truc. C'est plutôt le genre génie du mal un peu fou, vous voyez? Et puis, je croyais qu'il était dans une prison anti-gravité. Ne vous en faites pas, j'ai un plan. J'écoute. C'est quoi votre super plan high-tech pour aider Draven à s'évader de prison? J'imagine que c'est encore une histoire de physique quantique ou je sais pas quoi. Quelque chose dans vous là, oui. Restez derrière moi. Cornichon! Draven, montez! Salut! Quoi de neuf? On est là pour vous faire évader à condition que vous arrêtiez le slime. Queen, la brigade zombie arrive.
Accrochez-vous, je vais provoquer un trou noir avec ma voiture. Ah, tu vois, je t'avais dit qu'elle aurait un plan super high-tech. Cornichon. Une seconde, vous avez vraiment dit trou noir? Je suis plus trop sûr d'aimer ce plan. Non, Cornichon. Accrochez-vous, ça va se couler. Voilà, Draven, on vous a libéré. Maintenant, fabriquez-nous un antidote pour le slime. Ouh, hein? Salut. Quoi de neuf? Il est resté trop longtemps dans sa cellule antigravité. Ça a dû affecter ses capacités cognitives. Oui, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il vienne de traverser un trou noir. Cornichon! La seule chose qui pourra annuler les effets de la prison antigravité sur son cerveau, c'est un tour de looping infernal. Il faut déjà qu'on arrive à semer tous ces zombies. Je me demande comment ils ont fait pour avoir leur permis. Je vais les attirer loin d'ici. Foncez au looping! Quoi de neuf? Faudrait peut-être que je réaligne mes roues. Et voilà! Espérons que ça masque un peu l'odeur de zombie dans votre voiture. Ça y est, je crois que Draven a eu sa dose de looping. Vous pouvez me dire votre nom? Queen Cosmic? Il ressent encore les effets du manque de gravité sur son cerveau. Votre nom, c'est Draven! Vous êtes un génie du mal. Vous vous rappelez s'il existe quelque chose qui puisse inverser les effets du slime? Essayez de vous souvenir. Allez! Non, ça ne me dit rien du tout. Cornichon! Non, mon pote, c'est pas des cornichons, ça. Ce sont des barils de solution anti-slime zombie cachés sous une bâche. Du sérum anti-zombie? Draven a dû en mettre de côté pour lui. C'est un sacré hasard qu'on soit tombé dessus. Mais pourquoi il les a cachés ici? On s'en fiche. Ce qui compte, c'est de répandre cet antidote. La ville est plus sympa sans slime. Content de te revoir, mon pote. J'ai super faim. On va se chercher des burgers avec une triple dose de cornichons. Tu voudrais pas plutôt une pizza? Flash info. Draven, le génie du mal attitré de Hot Wheels City, organise une boom pour son anniversaire et il a invité ses amis, les gigantesques monstres toxiques. Je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner. C'est quoi cette histoire? Draven a organisé une réunion avec ses potes, les gigantesques monstres toxiques? Ouais, c'est son anniversaire et il a dit qu'il n'avait pas d'autres amis. De toute façon, ils ne sont plus toxiques. Toute la ville a reçu l'antidote, tu te rappelles? Ouais, mais ça n'empêche, je la sens pas du tout, cette boum. J'aurais dû préciser qu'il y aurait un château gonflable. J'aurais, vous avez dit un château gonflable? Trop cool! Quant à vous, mes chers petits compagnons, ne soyez pas inquiets car très bientôt vous serez de nouveau monstrueusement toxiques. Qui est-ce qui sera bientôt monstrueusement toxique, Draven? Encore vous? Oh, ce n'est rien, pas de quoi s'inquiéter. Vous faites un sourire de génie du mal et vous vous frottez les mains quand même. C'est parce que j'ai hâte d'être à ma boum, c'est tout. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille au cimetière avant ce soir. J'ai encore beaucoup de slime toxique à déterrer. Quoi? C'est quoi cette histoire? Oh, c'est juste une façon de parler. À plus dans le bus! Je suis pas entièrement sûr qu'on puisse lui faire confiance à ce type. Tu crois qu'il ment? Et qu'en fait, il y aura pas de château gonflable? Soyez les bienvenus à ma grande boom d'anniversaire! Venez vous mesurer au défi fun de Draven! Montrez-nous votre meilleure figure en vous assurant d'atterrir dans le château gonflable et vous remporterez peut-être une surprise qui ne sera pas du tout maléfique. Je le jure sur mon petit doigt. Ça a l'air sympa. Ouais, mais je trouve que ça casse un peu l'ambiance d'être observé par des gigantesques monstres. Sophia
rapide. La pilote la plus rapide de Hot Wheels City. La deuxième plus rapide, tu veux dire. Après moi. Allez, viens, Elliot. On va la gagner, cette surprise. On a gagné? Elle est où la surprise? Surprise! Vous n'êtes que des idiots! Enfin, ça, ce n'est pas tout à fait une surprise. Au fond de moi, j'espérais que ce serait une glace. Puisqu'aucun des invités ne semble vouloir manger de la glace, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez pouvoir tout garder pour vous. Profitez-en, c'est mon parfum préféré, Slime Toxique. Vous allez vous régaler. Sophia Speed! Est-ce que tu penses ce que je pense, Elliot? Moi, je me demandais comment les vampires faisaient pour être aussi bien coiffés alors qu'ils ne voient pas leur reflet. Non, mais maintenant que tu le dis, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut qu'on aille l'aider. Ces sales monstres sont rapides. Même Sophia Speed n'arrive pas à les semer. Et c'est la pilote la plus rapide de tout Hot Wheels City. Ouais, c'est discutable. Des tas de gens disent que c'est moi le plus rapide. Qui est-ce qui dit ça? Des tas de gens très intelligents. C'est pas le moment de discuter de ça, de toute façon. J'ai une idée pour arrêter ces monstres. Suis-moi, on va se chercher une glace. Vous ne nous attraperez jamais, bande de gros monstres toxiques tout dégoûtants. T'étais pas obligé de les énerver encore plus? La glace leur a gelé le cerveau. Je suis un génie. Oula, ils ont mangé trop de sucre. Les monstres toxiques sont aussi ramollis que de la glace en plein soleil. Merci les garçons, je vous revaudrai ça. Y'a pas de quoi. Sophia Speed, la pilote la plus rapide de tout Hot Wheels City. La deuxième, je vois pas ce qu'il y a de si dur à retenir. Non. Mais de quoi je me mêle? Vous avez peut-être arrêté mes monstres, mais moi, rien ne pourra m'arrêter! Non. Bon, d'accord. Un gigantesque serpent toxique avec le cerveau gelé par trop de crème glacée, ça peut m'arrêter. Mais pas pour longtemps! Qu'ils sont bêtes, ces monstres toxiques! Hey Elliot, devine ce que je fais. Je nettoie mon rétro pour mieux te voir dedans quand tu seras loin derrière moi et que je gagnerai la plus grande course de l'année ainsi qu'une clé de la ville. Ouais, ben devine ce que je fais, Chase. Moi aussi, je nettoie mon rétro parce qu'il est... sale et qu'on voit pas bien. Sophia Speed, la pilote la plus rapide d'Hot Wheels City. Combien de fois il va falloir que je le répète? C'est moi le plus rapide! Mais elle te bat à chaque fois? Ça veut pas dire que c'est la plus rapide? Bah, si, un peu quand même. Personne ne pourra battre mon superchargeur slimifiant! La clé de Hot Wheels City sera très bientôt entre mes mains! Et ensuite, vous tremblerez tous devant ma puissance! Pilote! Faites chauffer vos moteurs! C'est Draven? C'est quoi ces jambes fluorescentes? Je m'en fais pas pour lui, c'est le pilote le plus lent d'Hot Wheels City! Wow! Il est pas si lent que ça! C'est sûrement les jantes! Je vous préviens, je crois que j'ai quelques admirateurs cachés sur le parcours aujourd'hui. Vous allez voir, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce circuit ne manque pas de mordant. C'est un petit jeu de mots de génie du mal. Wow! Joli 360!
Comment t'appelles cette figure, Elliot? Plantage de pare-choc. Vous devriez arrêter vos singeries si vous voulez avoir une chance de me rattraper. Oh, génial! Il manquait plus qu'un lézard géant! C'est un théropode. Info flash! Flash info exclusif! La grande course est en train de se transformer en défi pour échapper aux monstres! C'est le slime, mon arme secrète! Grâce à lui, je vais gagner la clé de la ville! Oh, il semblerait que Draven ait prévu d'utiliser du slime pour gagner! Je l'ai dit tout haut? Tant pis, de toute façon, plus rien ne pourra m'arrêter! Bon, d'accord, une petite fille peut encore m'arrêter. Mais en dehors de ça, rien ne pourra plus m'arrêter! Il est en train de nous semer! J'ai la solution! On va lui offrir un bon gros burger! Burger Dash a sorti une toute nouvelle recette. Génie du mal, sauce slime. Victoire de Sophia Speed. Ça veut pas dire que c'est la plus rapide. Elle vient de battre tout le monde dans la plus grande course de l'année. Donc, tu vas vraiment croire les faits au lieu de ma version de la course? Félicitations! Vous gagnez la clé de notre ville! La clé de la ville est à moi, bande de nullards! Est-ce qu'on le poursuit? Il va pouvoir ouvrir toutes les portes de la ville! On se doutait que Draven allait préparer un mauvais coup. La clé qu'il a volée n'ouvre rien du tout. La vraie clé est juste ici. Oh, cette clé débile n'ouvre rien du tout, en fait. Je voulais de la glace gratuite à vie, moi! Donne-moi ce cornet, petite! En général, je dirais, flûtez-en contrecarrer mes plans! Mais cette fois, je l'ai fait tout seul. Je me suis auto-contrecarré! Suivez-moi, les garçons. Je vous offre une glace. On fait la course jusqu'à la boutique? J'arriverai le premier, parce que je suis le plus rapide! Pas si on en croit les faits! Dis, Elliot, tu trouves pas qu'il y a un truc bizarre? Aucun de mes doigts n'est de la même longueur? Non, sur les voitures! Les couleurs ont disparu! Qu'est-ce qui se passe encore? C'est le plan le plus maléfique que j'ai jamais imaginé. Un rayon laser décolorant pour transformer tous les bolides de Twill City en vulgaires veaux monochromes dénués d'accélération. Les courses s'arrêteront, les cascades cesseront, et les voitures aux couleurs flashy... ne seront plus flashy. Que dis-tu, serpent toxique? Non, rayon laser décolorant, ce n'est pas le nom définitif. J'ai des tas d'autres idées de noms encore plus maléfiques. On doit échapper à ce rayon barbant. Mets les gaz. Un tour de looping pour faire louper le rayon. Et un virage serré pour le faire rater. Pourquoi on n'avance plus, Elliot? Forward Force n'est plus la même. Sans sa peinture violette haute performance et ses paillettes dorées à vitesse augmentée, c'est comme si j'avais plus du tout la force de foncer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sans sa carrosserie noire comme la nuit et ses détails rouge feu, c'est comme si je me fichais d'aller vite avec Night Shifter. Salut les garçons, ça va la vie au ralenti? Non, on s'ennuie. Je vais devoir faire la course toute seule, puisqu'il n'y a que moi qui suis en mesure de me battre. Cool, on te retient pas. Oh, Twin Mill! Je croyais que tu voulais faire la course. Sans sa peinture rouge enragée et ses jantes en titane, Twin Mill est... 1000 fois moins rapide.
Draven, je parie que c'est lui qui nous a volé nos couleurs. Si ça continue, il va devenir le pilote le plus rapide et le plus cool de la ville. Elle a compris. Tu vois, c'est ça, mon plan maléfique. Je t'avais bien dit que j'en avais un. Tout de suite, tu fais moins le malin, hein? Quelqu'un a vu Draven? Vous n'auriez pas vu un gros rayon laser? Alors c'est comme ça que se termine notre incroyable carrière de pilote. Dans le respect des limitations de vitesse. En première, il n'y a que ça de vrai. Ne te presse pas, petite. On a tout notre temps. Oh! Mauvaise nouvelle, les garçons. Impossible de trouver Draven. Je crois qu'on est condamné à rester des tortues. Qu'est-ce qu'elle montre du doigt? Le lave-auto? Mais oui! Les voitures sont toujours comme neuves après être passées là-dedans. Et leurs couleurs sont plus éclatantes. Du coup, tu crois que nos voitures redeviendront au top si on y va? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. On met les gaz! Il n'y a pas une seconde à perdre! Pas si vite! Ça va, les escargots? Vous avez devant vous le nouveau pilote le plus rapide de Twill City. Attention, le serpent va nous bloquer. Ou pas. Ce n'est pas le genre de situation où avant, on aurait trouvé une solution à la fois fun et qui déchire. Ce qui est sûr, c'est qu'avant, il me semble qu'on roulait plus vite. Faites chauffer les pneus. Écrasez l'accélérateur. Faites patiner les roues arrière. On n'a pas assez de jus. Je ne vois qu'une seule solution. Faire le drift spécial Hot Wheels City. Vieux, c'est une figure légendaire, ça. Et dangereuse aussi. Si tu te loupes, tu risques de rester bloqué et de drifter pour toujours. Dans ce cas, il vaut mieux pas que je me loupe. Maintenant, on va lui donner le tournis. J'appelle cette figure... Le serpent est sonné. C'est super bien trouvé. Dommage pour vous, Draven. J'ai l'impression que vous êtes officiellement redevenu le pilote le plus lent et le moins cool de tout Hot Wheels City. Voilà, je crois que tout est enfin rentré dans l'ordre. Retour à la normale. Enfin, presque normal. Ça, c'est tout sauf normal. Je te le fais pas dire. Journée à faire la course, rien de tel qu'un petit passage au méga garage, pas vrai, Elliot? Je te le fais pas dire, Chase. C'est comme partir en vacances avec ton meilleur ami, sauf que ton meilleur ami, ce serait ta voiture. C'est super poétique ce que tu dis. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, cet employé du parking. Normal, tu le reconnais pas? C'est Draven. Et non, pas du tout, moi, je m'appelle Graven. Vous n'avez changé qu'une seule lettre. Hé, laisse Graven tranquille, il veut juste faire son travail. Allez, mon pote, on lâche rien. Tu nous passes un ticket? Un ticket ne sera pas nécessaire puisque vous ne ressortirez jamais. Comment ça, on ne ressortira jamais? Oh non, ce n'est rien. C'était une blague. Il est cool, ce garage. Grave, on dirait une boîte de nuit pour voiture. On va se garer, se poser et examiner ces bolides. C'est quoi ça? Sophia Speed! La pilote la plus rapide d'Hot Wheels City. Tu veux dire après moi? Les garçons, il est temps de régler ça une bonne fois pour toutes. Descendez faire la course avec moi et on verra qui est vraiment le plus rapide. Tu ferais mieux d'installer une nouvelle vitesse sur ton vieux taco, Speed. Parce que sous mon capot, c'est de la pure dynamite. Et sous mon capot, c'est... De la dynamite pure. Arrête de me piquer mes métaphores, Elliot. Bouge pas, on descend. Hé, je croyais qu'on était censé descendre. Moi aussi.
C'est ici qu'on était garés tout à l'heure, et là, il y a même les deux voitures qu'on regardait. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, Chase. Allez, viens, Sophia nous attend. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait sur le toit? Pourtant, j'aurais juré qu'on roulait vers la sortie cette fois. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Soyez les bienvenus chez Draven. Je veux dire chez Graven. Dans son méga garage au Mirage. J'espère que vous le trouvez à votre goût, parce que vous allez rester coincé ici jusqu'à la fin des temps, pauvre idiot! Oh, vous n'étiez pas obligé de nous traiter d'idiots. Est-ce que j'ai dit idiot? Je voulais dire imbécile! Il est vraiment bizarre, ce garage. On se sépare. Va vers le haut, moi je vais vers le bas. T'as pas un peu l'impression qu'on tourne en rond? T'as pas un peu l'impression qu'on tourne en rond? Ouais, je te le fais pas dire. Je l'ai déjà dit deux fois. Comment on va se sortir de ce garage super galère? Pas de panique. On va faire ce qu'on fait toujours quand on est confronté à une situation apparemment impossible et qui demande une réflexion poussée doublée d'une exécution millimétrée. On appuie sur le champignon et on fonce sans regarder. Elliot, tu m'as ôté les mots de la bouche. Ça non plus, ça marche pas. Je voudrais retourner au moment où on est entré. Ah, je sais. Il n'y a qu'une seule façon de retourner en arrière dans une voiture. De quoi tu parles? De la marche arrière. Et voilà, on est de retour. Bien essayé, Graven. Mais on s'est échappé de votre méga garage Mirage. Ouais. Au fait, Graven, vous direz à Draven que Chase et Elliot lui disent « Bien essayé ». Oh, désolé, on a eu un léger contretemps. On était coincés dans un méga garage Mirage. De quoi est-ce que tu parles? Ça fait à peine une minute que je vous attends. Oh, c'est vrai. Cool! Alors ça veut dire qu'on va pouvoir passer à notre course si t'es prête. Ouais! Surtout si t'es prête à rouler à fond! Alors toi, tu es le pire génie du mal que j'ai jamais vu! Non, c'est toi! Ah non! Moi, je suis employé de parking! Non! Tu es moi avec un badge différent! Est-ce que l'un de vous sait où je me suis garé? Info flash! Vous vouliez voir des monstres toxiques géants semer le chaos en ville? Vous allez être servi. Un énorme T-Rex toxique, ça vous dit? À moins que vous ne préfériez un gigantesque serpent toxique ou un gorille toxique beaucoup trop grand! Il y en a pour tous les goûts! Alors, shérif, qu'avez-vous prévu de faire pour reprendre le contrôle de notre ville? Moi? Vous êtes le shérif, après tout. Voyons, ce que j'ai prévu de faire, c'est... Chase et Elliot. Justement, j'avais prévu de les appeler à la rescousse. Bien sûr, oui. On est là, shérif, et on va attraper ces abominables monstres avant que vous n'ayez eu le temps de dire « Appuie sur le champignon !» Appuie sur le champignon! Ok, dans ce cas, avant que vous n'ayez eu le temps de dire « Braque à fond !» Ou « Fais crisser les pneus !» Vous pouvez essayer d'arrêter mes monstres autant que vous voudrez, mais cette fois... Vous feriez mieux de ne pas vous fier aux apparences. N'est-ce pas, mon cher serpent toxique? Pourquoi n'irais-tu pas rendre une petite visite surprise à ces deux idiots? Et n'oublie pas de leur passer le bonjour maléfique de Draven. Bien sûr que je suis conscient du fait que tu ne sais pas parler. Tu n'as qu'à leur siffler dessus. Où sont passés les monstres? Ils sont là! Ça? Oh, là! C'est quoi ce serpent qui disparaît comme par magie? Aucune idée, mais ça ne change rien. Tout ce qui importe, c'est que les monstres de Draven sont de retour et on va s'en débarrasser comme la dernière fois. Excellente idée. Je me disais bien que j'avais comme une impression de déjà-vu. Hé, hey, le gros reptile gluant, on fait la course? Ah!
maintenant, j'ai comme une impression de déjà fait. Passons au gorille. On l'a affaibli. Encore un coup et ça devrait le faire. Gigantesque serpent toxique. C'est fait. Gigantesque gorille toxique. C'est fait. Donc il n'en reste plus qu'un. Attends, laisse-moi deviner. Gigantesque T-Rex toxique. Espérons que nos airbags fonctionnent. Vous voulez un coup de main ou de pare-choc? On a vaincu les gigantesques monstres toxiques. Une nouvelle fois. Ne vous réjouissez pas trop vite, les garçons. On dirait que Draven a utilisé une sorte de... Hey, d'où est-ce qu'ils sortent, ces monstres? On les a eus! Ils n'ont pas encore compris? C'est ce que je disais. On dirait que Draven a utilisé une sorte de téléporteur slime pour déplacer ces monstres dans toute la ville. Quoi qu'il en soit, on a la situation sous contrôle. Ouais, c'est clair. Dis, Chase, qu'est-ce qu'on dit quand on veut dire le contraire de c'est clair? Allez, on a déjà éliminé ces monstres une fois, il suffit de refaire la même chose. Ça ne sert à rien. Quoi qu'on fasse, ils continueront à revenir en se téléportant. Moi aussi, je commence à avoir une impression de déjà-vu. Il faut trouver une solution. Je sais, ils n'arrêtent pas de se téléporter. Donc, on n'a qu'à l'utiliser à notre avantage. Chase, Elliot, on va devoir manœuvrer ces monstres. Continuez à faire le tour de la ville. Il faut qu'on les attire pour qu'ils soient le plus près possible les uns des autres. C'est ce que j'appelle un bon gros tas de monstres. Et en parlant de trucs qui me donnent une impression de déjà-vu, Draven s'est encore enfui. Vous avez peut-être réussi à empiler mes monstres cette fois-ci, mais j'ai encore tout plein d'idées amusantes. Et par amusante, je veux dire machiavélique, parce que c'est de loin ce qui m'amuse le plus. Aïe. Oh, vous allez voir. Ce sera machiavélique, je vous assure. Oh, et... quelqu'un veut bien retirer ce gros tas de monstres. Je vais t'en donner des flash infos. Cette fois-ci, mes fidèles monstres vont semer la terreur dans Twill City. Et Draven a concocté un plan plus maléfique que jamais. Il compte utiliser un téléporteur slime. Quoi? Comment se fait-il que tout le monde soit déjà au courant pour mon plan maléfique? Il semblerait que celui-ci se soit filmé par accident alors qu'il se trouvait dans son repère. Nos équipes se sont procuré la vidéo. Oh, c'est vrai. Ça m'arrive tout le temps. Oups. Je commence vraiment à en avoir assez de ces monstres toxiques. Dis-toi que ça ne peut pas être pire que ça. Les jeunes, la situation a empiré. J'aurais mieux fait de me taire. Hé, hey, voilà Queen. Et j'ai un plan. Vous allez devoir attirer Draven hors de son repère. Ça me va, mais on va avoir besoin d'un coup de main de Sophia Speed. Tu veux dire? Ouais, bah, après tout, c'est la pilote la plus rapide d'Hot Wheels City. Tu m'épates? Je pensais pas que tu l'admettrais un jour. Tu crois qu'on est au bon endroit? Voyons, c'est très flippant. Et sinistre. On peut même dire que c'est carrément menaçant. Vous avez vu? Un énorme serpent toxique garde l'entrée. C'est forcément le repère de Draven. C'est pas fini, ce raffut! Oh, comment voulez-vous que j'arrive à élaborer des plans machiavéliques? Qu'est-ce que vous fichez sur ma pelouse maléfique? Hé! Hey, ne touchez pas à la télécommande de mon téléporteur slime! Et rendez-la-moi! Vous devrez rattraper la pilote la plus rapide d'Hot Wheels City si vous voulez la récupérer! Ah,
plus grande course-poursuite de toute l'histoire de Hot Wheels City vient de commencer. Hein? Ce que ces imbéciles ignorent encore, c'est que ma télécommande a une télécommande et qu'ils se dirigent tout droit dans un piège. Il semblerait que nos héros se dirigent tout droit dans un piège. Quoi? Où a-t-elle obtenu cette information? Oh, je me suis encore filmé. Mince alors, ça ne change rien. C'est trop tard. Qu'est-ce qu'ils sortent, ces bâtiments? Les monstres sont de retour? Je croyais qu'on avait la télécommande. Et maintenant, mes monstres vont détruire vos voitures une bonne fois pour toutes. Et ensuite, je pourrai faire le tour de la ville au volant de la Fasta. Et ce sera officiellement la voiture la plus rapide et la plus cool de tout Hot Wheels City. Prenez une photo de moi en train de gagner. Je vais plutôt vous envoyer très très loin d'ici, Draven. Au Mégadrome. Oh, ce n'est pas juste! Vous m'avez piégé! Vous verrez, je reviendrai! Vous ne m'arrêterez jamais! Cette fois, je crois que la ville va être tranquille pendant un petit moment, les amis. Alors, Cheese? On raconte que tu as dit que j'étais la pilote la plus rapide de tout Hot Wheels City. Des fois, je parle un peu trop. Mais c'est vrai que t'as super bien conduit contre ces monstres toxiques. Toi aussi, tu sais. Tu es peut-être la plus rapide de nous deux pour le moment. Mais attends un peu que j'ai un nouveau bolide. C'est ça qui est bien à Hot Wheels City. Tout le monde a une chance d'être le plus rapide.